Bienvenue dans la vidéo de Noël de Bad News. Je m'appelle Eleanor et c'est moi qui fais le montage des shorts. D'ailleurs, sur TikTok, vous m'avez appelée Cutwoman. Attends, et pour Noël, je vous ai fait une compile de shorts inédits que vous avez détestés. Et pour Noël, je vous ai fait une compile de shorts inédits que vous n'avez pas vu dans Bad News. C'est trop dur. Un Italien fan du Seigneur des Anneaux a décidé à 37 ans d'acheter un grand terrain et de fabriquer une maison comme dans la comté et d'y vivre avec sa famille. Vous pouvez le suivre sur Instagram. C'est notre vie dans la comté. Il s'habille comme un hobbit et vit avec sa famille là-bas. Il dit : Nous avons marché près de 220 km de montagnes et de bois, de rivières et de villes anciennes. Nous nous sommes perdus dans les montagnes. Nous avons également rencontré des personnes fantastiques qui nous ont aidés jusqu'à notre arrivée au Vésuve, que nous avons appelé la montagne du destin. Et j'ai jeté l'anneau. Le rappeur Lil Uzi Vert s'est fait poser un diamant de 24 millions de dollars sur son front. Et forcément, bah un jour, il y a un mec qui lui a volé. Il lui a arraché du front. Et le mec, pendant un concert, pissait le sang. Si vous avez 24 millions à mettre quelque part, mettez-les dans une maison, dans de la pierre. La pierre, c'est important. Dans les années 80, le Minitel explose en France. Un jour, il y a un éditeur qui s'est dit si on faisait le Marquis de Sade sur Minitel. Ils ont donc demandé à des programmeurs de faire un dessin animé en ASCII du Marquis de Sade. Tout ça, c'est dans la bande dessinée Bad News, l'histoire du porn. Croyez-moi, c'était pas facile de se branler là-dessus. Un homme est allé dans son supermarché, il est allé au rayon friteuse, il a pris un carton de friteuse, il a enlevé la friteuse, il a pris le carton, il est allé au rayon jeux vidéo, il a rempli de jeux vidéo et il est passé à la caisse en voulant payer le carton de friteuse. Il y avait des caméras de surveillance, le mec s'est fait choper. Il y avait dans le carton pour 900 euros de jeux vidéo. Ça vaut le coup de prendre une friteuse à 70 balles. Yuri Tolotoko, le culturiste kazakh, célèbre pour avoir épousé sa poupée sexuelle, a maintenant une nouvelle passion amoureuse. Il est amoureux d'un cendrier. Il aime qu'il ne soit pas neuf et donc a décidé de lui poser un vagin. C'est quelqu'un. Mais t'as pas envie de lui dire en face, il est quand même culturiste. Hervé est dans son supermarché et il passe à côté du rayon poissonnerie. Et là, il voit des homards dans l'aquarium. Il voit deux homards. Il trouve extrêmement beau et d'un seul coup, il ressent un lien entre lui et ses homards. Et il se dit non, ces homards ne peuvent pas mourir. Les gens ne vont pas les acheter pour les manger. Je vais m'acheter ces homards. Il paye les homards, sauf qu'il a pas de place chez lui pour mettre des homards, c'est énorme. Et il a pas d'aquarium. Du coup, en attendant d'acheter un aquarium, il demande au supermarché de garder les homards. Garde les homards. Il revient après avoir acheté un aquarium, mettre les homards chez lui. Au bout d'un moment, il se rend compte que les homards sont pas heureux chez lui. Alors il les a donnés à un zoo. Très belle histoire parce qu'il va les voir de temps en temps. Et ils lui font des bisous. Alors c'est étrange, mes enfants étaient en train de jouer dans le jardin quand tout à coup ils arrivent à me dire Maman, il y a des messieurs avec des cravates qui demandent s'ils peuvent faire atterrir l'hélicoptère dans le jardin. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'allais voir les gens avec les cravates et ils m'ont dit donc madame, on pourrait faire atterrir l'hélicoptère dans le jardin. Oh bon, d'accord. Bien sûr, comme vous l'avez compris, ça se passait en Angleterre. L'aéroport de Baggington, l'aéroport était complètement fermé. Et Tom Cruise devait venir pour tourner Mission Impossible. Cette famille a eu le plaisir de voir un hélicoptère atterrir dans leur jardin et Tom Cruise en sortir. Bon, il était très sympathique, il a même bu un petit verre avec les enfants, allez. Le gouvernement de la Suède, c'est vraiment des gens pas gentils. Ils ont refusé à des parents d'appeler leur bébé comme ils voulaient. Oh. C'est con, parce qu'ils avaient choisi comme prénom Vladimir Poutine. Bon, c'est un peu long à dire. Mais enfin, Vladimir Poutine, t'as encore rempli ta couche. Et ça en impose quand même. Un homme âgé de 77 ans a été admis au centre hospitalier universitaire de Tokyo alors qu'il présentait notamment des difficultés respiratoires. Plusieurs semaines après sa sortie, des symptômes persistent tels que des insomnies et une anxiété. Il commence progressivement à ressentir un profond inconfort anal, environ 10 cm dans la région périnéale. Ils se sont rendus compte qu'il avait un besoin constant de mouvement car il avait le syndrome de l'anus de repos qui est un profond inconfort anal et ce serait donc le premier cas de syndrome d'anus sans repos dû à une infection du Covid-19. Faites-vous vacciner. Vous avez vu Breaking Bad? Je pense que ce prof d'université aux États-Unis l'avait vu aussi, ce qu'il a proposé à ses élèves, juste de fabriquer de la MDMA et de l'ecstasy pour parfaire leur éducation et revendre un petit peu. Bon bah il avait 61 ans, ça l'a pas empêché de prendre 10 ans de prison. Aux États-Unis, un fan d'histoire collectionne les coprolites de dinosaures, les merdes fossilisées de dinosaures, c'est sa grande passion. Il a commencé à 18 ans et aujourd'hui il a 1277 crottes fossilisées. La chose qui est bien, c'est que ça ne sent pas. Ça se passe à Carré-Sénart, à côté de Paris, au Carrefour. Un couple, 17 et 18 ans, fans de Pokémon, se sont fait choper alors qu'ils dérobaient pour 222 euros de cartes Pokémon. La police leur a dit quand même, ça fait beaucoup. Ils ont fait oui, mais c'est parce qu'on aime beaucoup collectionner les cartes Pokémon. Ok. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, alors du coup, on veut beaucoup de cartes Pokémon, mais on les revend pas. Hein. C'est pour notre collection. Ok. La police est allée chez eux. Ils auraient été sympas avec eux s'ils n'avaient pas trouvé d'autres cartes Pokémon volées pour 1200 euros de cartes Pokémon. Bon bah, ils ont eu des problèmes avec la justice, hein, madame. Un homme de 45 ans, après être resté 8 semaines avec le pénis coincé dans une bouteille sans rien dire à ses proches, s'est finalement présenté aux urgences avec un œdème et des excroissances à la bite. Il souffrait d'une grave dépression et a dû être opéré. Oui, il semblerait que la strangulation du pénis soit fréquente chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Si vous aimez vous stranguler le pénis, peut-être vous avez des problèmes de dépression. Astuce. Un jeune Marseillais anti-vax s'était procuré un QR code d'un vrai vacciné pour aller dans un hôpital. Le QR code était celui d'Emmanuel Macron, qu'il a trouvé sur
sur internet. Il est passé, les vigiles l'ont bipé et les vigiles ont vu écrit Emmanuel Macron. Ils l'ont laissé rentrer, ils ont appelé la police, c'est fait arrêter. Il est passible de 750 euros d'amende s'il ne paye pas l'amende de 135 euros dans la journée. Des voisins ont appelé la police car la colocation d'à côté s'est étripée, s'est bastonnée, s'est cassée la gueule. Il y en a même un des deux qui s'est réfugié chez eux. Que s'est-il passé? Eh bien, dans la colocation, il y avait un mec qui était pro-vaccin et l'autre qui était anti-vax. Un soir, en mangeant, débat, et le débat a viré en pugilat. Ils se sont frappés, tapés, ils ont utilisé des objets. La police est intervenue. L'histoire ne dit pas s'ils vivent encore ensemble. La police a arrêté une femme de 70 ans qui cultivait des pieds de cannabis chez elle. 400 euros d'amende et destruction des plantes. La dame a affirmé qu'elle fumait un joint tous les jours depuis ses 35 ans. À votre avis, dans les commentaires, ça fait combien de joints? Roberto Esquivel est un Mexicain comme tout le monde. Ah non, pas comme tout le monde. Il est l'homme avec le pénis le plus long au monde. 50 cm de long. Et il a pesé 9 kg. Mon chat est moins lourd. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube racontant sa vie. Je vous laisse chercher parce que c'est incroyable. Ça se passe à Lyon à 22h et les gens entendent un boucan. Hallucinant, ils appellent la police. Et la police arrive près de la pharmacie et découvre un homme avec une disqueuse en train d'ouvrir le distributeur de préservatifs. L'homme a été arrêté et l'homme a dit: je voulais récupérer la monnaie du distributeur. Il a été convoqué au tribunal. Et surtout, n'utilisez pas les préservatifs parce que si la disqueuse est passée à côté, vous risquez de choper un gamin. Nous sommes à Oklahoma City et nous sommes dans un supermarché. Un homme dans le magasin est en train de regarder poum 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 avec son chariot et il passe devant le congélateur. Il se dit: tiens, j'ai envie de chier. Il baisse son pantalon, il se met au-dessus du truc et il chie sur les pizzas. Les vidéos ont tout filmé. Mais avant que les gens aient pu agir, une dame est arrivée pour acheter une pizza et s'est retrouvée les mains pleines de merde. Ce fut un choc terrible, dit Shirley. Lorsque j'ai retourné le sac, il y avait des déchets humains collés et ma main toute collée aussi. Ne chiez pas dans les supermarchés. J'avais 8 ans et en fait, un mec fou voulait se taper ma mère et il travaillait avec mon père. À l'époque, il y avait des numéros roses où on pouvait s'inscrire si on voulait rencontrer des gens pour avoir des rapports bucogénitaux avec eux. Donc ce mec avait pris le numéro de mon père et avait mis notre numéro de téléphone dans ce truc. Et tous les soirs, pendant un an, on avait des gens qui nous appelaient à 19h pour savoir si on voulait avoir des rapports avec eux. Un jour, j'ai décroché et j'ai entendu: bonjour, je m'appelle Michel, je suis très bien membré. Est-ce que je vous intéresse? Et j'ai fait: je sais pas. Il y a des cartouches de jeux qui coûtent très cher aujourd'hui. C'est des cartouches qui se vendaient dans mon enfance, donc vous n'avez pas connu. Une cartouche NES qui a été vendue très très cher, la cartouche de Super Mario, qui a été vendue 660 000 dollars. Ce record a été battu par Zelda. The Legend of Zelda a été vendue, la version datant de 1987, toujours scellée, en emballage, 870 000 dollars. C'est le prix du château de Ganon. Brice est un petit enfant de 9 ans qui collectionne depuis 3 ans les cartes Pokémon. Alors il a que les dernières qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais bon, bref. Et un jour, il est à son école, et là, il y a d'autres enfants qui arrivent, qui tabassent, et qui disent: maintenant, tu donnes tes cartes Pokémon. Et Brice, il donne ses cartes Pokémon. Alors sa mère, elle appelle la police. La police vient. Le policier est tellement triste pour le gamin. Il dit: oui, on va faire quelque chose et tout ça. Ils lui font croire qu'ils vont faire un truc, tout ça. Ils peuvent pas faire grand chose. Sauf que le lendemain, il lui a ramené ses cartes Pokémon à lui, qu'il avait achetées à l'époque. Il y avait des cartes Pokémon qui avaient énormément de valeur. Il les a offert au gamin. Ah, les fêtes de fin d'année, les éboueurs qui sonnent chez vous pour que vous leur achetiez des calendriers qui servent plus à rien. Bah non, parce qu'on a tous des téléphones avec des agendas électroniques dessus. D'ailleurs, c'est ce que ont dû répondre les 3 habitants de l'Essonne qui ont dit aux éboueurs: non, je vais pas acheter votre calendrier, j'en ai pas besoin. Résultat des courses, leurs poubelles n'ont pas été ramassées depuis 15 jours. Joyeux Noël. Justin Liclop et sa femme, pour Noël, ont décidé de s'engueuler. Il était tellement énervé qu'il s'est emparé d'une hache et qu'il a tué sa femme. Puis, il est allé chercher des sacs poubelles, a découpé sa femme en deux et l'a jeté aux ordures. Ensuite, il est allé réveiller ses enfants et il est parti chez ses beaux-parents pour fêter Noël avec eux. Au milieu du repas, il s'est levé, il a fait: j'ai tué ma femme. Un joyeux Noël. Face au tollé international suscité par le renvoi soudain de Brother, le chat bibliothécaire, le conseil municipal a finalement consenti à revenir sur sa décision. Brother restera à la bibliothèque où il a élu domicile depuis 6 ans déjà. Selon la rumeur, le conseil municipal aurait voté sur un coup de tête le renvoi de ce chat, prétextant qu'il n'avait rien à faire dans un lieu public. Après qu'une employée municipale s'est plainte de ne pas pouvoir aller à la bibliothèque avec son chien. Heureusement, la pétition qui a circulé sur la toile, ainsi que les 1000 messages venus du monde entier reçus par la municipalité, sont venus à bout des détracteurs de ce pauvre matou. Il peut enfin dormir à nouveau sur les livres. Joyeux Noël! C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je peux faire pire. Je vais tuer des gens, c'est réel. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver.